Coucou mes belles lumières, c'est Christine de Lamont. On, On se retrouve pour euh, une petite vidéo que je vous propose avec la découverte la d'un découverte oracle qui est l'oracle des messages de ton cœur, qui est euh, une véritable pépite que je vais vous montrer. Donc je remercie Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi, puisque c'est un oracle qui est édité par les éditions Contredire, qui fait partie donc de la marque Très Daniel. Euh, C'est un oracle qui est de Charlotte Daines avec des illustrations de Celia Melville. Alors Dane ou, ou Dane, je ne sais pas trop comment prononcer le nom de Charlotte. J'espère qu'elle me pardonnera si elle voit cette vidéo, euh, que je l'ai un petit peu écorchée. Alors on va le découvrir ensemble. Vous allez voir qu'il est très 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 beau, euh, avec des beaux messages à destination de... Euh, bah de, de Transmis par votre âme, on va dire. Voilà, hein, c'est les messages de votre cœur, c'est votre âme. Qui vous transmet. Alors des il messages. arrive dans une petite boîte cloche, comme ceci. Vous voyez Je les sors. Alors il n'y a pas de livret. Voilà. Puisque les messages sont directement sur les cartes avec le petit texte. Donc là, voilà la carte de présentation avec le petit texte concernant euh, l'artiste Célia Melville et l'auteur, qui est une light worker, hein, une, un, un, un travailleur de lumière. Les cartes, les voici, dans des tons de rouge et rose. Magnifique, ça c'est le dos. Très bon cartonnage. Rien à dire, les cartes ne sont pas brillantes comme vous pouvez le constater, c'est un, un mat, les tranches sont fuchsia, on reste dans les roses, et voici les cartes. Voilà, donc elles ne sont pas numérotées, il n'y a pas vraiment d'ordre. Il suffit simplement, donc comme le dit l'auteur, de prendre les cartes, de poser votre main gauche dessus. Placez votre main au-dessus du jeu. Fermez les yeux, pensez à une question ou à une situation qui vous préoccupe et ensuite choisissez la carte à l'intuition pour le message que vous adresse votre cœur. Voilà, votre cœur, votre voix intérieure, votre âme, votre guidance aussi intérieure. Hein. On va souvent chercher les réponses ailleurs alors qu'on a sa propre guidance et c'est bien de nous le rappeler aussi. Allez, on découvre les cartes ensemble. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez bien les voir. Et on se fera un petit tirage à la fin. Je vous proposerai un tirage de trois cartes et vous choisirez la 1, la 2 ou la 3 comme ça en même temps que je vous fais cette vidéo. Vous aurez du coup une petite guidance. Alors, culpabilité. Stop, arrête l'auto-flagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, bien entendu. Là, on les découvre une à une simplement. Je vais pousser mes coquillages qui me gênent. Pardon. Là, comme ça, vous pouvez voir de près. Les illustrations magnifiques de Célia Medville. La lune. Alors, il y en a certaines qui sont à l'envers parce que je m'en suis déjà servie en tirage pour moi. J'aime bien. <coughs> vérifier comment l'oracle parle et je dois dire qu'il est très parlant hein, que mon âme m'a bien m'a bien envoyé le message dont j'avais besoin Je vous laisse prendre en prendre plein les yeux avec ces belles illustrations. Très lumineuses, très belles, très douces. Moi je les trouve ces cartes très lumineuses et en même temps, elles, il y a cette douceur, cette... Euh, oui, cette douceur, on va dire ça comme ça. En plus, vous avez vu, je vous ai mis un petit quartz rose en rapport avec le chakra du cœur, hein, puisqu'on est sur les messages de son cœur. Donc, c'est dans ces, dans ces tons de douceur, vous voyez, vraiment. Alors, je vous rassure, je vais mieux. Ce n'est pas encore ça. Hein. On cherche encore la nature de mes vertiges. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a des jours où ça va un peu mieux, d'autres un peu moins. <laughs> C'est pas grave, je fais avec. Je suis quand même là. Et la dernière, angoisse. Voilà, donc vous voyez de très très belles cartes. Magnifique, avec de belles illustrations. Euh, elles sont au nombre de combien ben, Je vais vous lire le dos de la boîte. Tiens, que je ne vous ai pas lu, comme ça, ça sera l'occasion. Cet oracle te permettra de retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Être en contact avec ton cœur, pose-lui des questions et laisse-les te dire ce dont il a besoin ce dont il a besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien. En t'ouvrant à l'intelligence du cœur, les cartes te guideront pas à pas vers l'abondance, la sérénité et l'amour. Donc vous voyez, édition contredire, un petit coffret au prix de 22 euros. Alors j'ai pas le nombre de cartes du coup. Il bon, y en a quelques-unes. Hein. Bon, c'est pas noté, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de tirer trois cartes et de revenir avec vos petits messages. Voilà, je vous ai tiré trois cartes, donc euh, on découvre ensemble vos petits messages. Bien entendu, si vous n'avez pas eu le temps Vous n'avez euh, pas eu le chose. temps, je vous invite donc à faire une petite pause de la vidéo et sinon pour ceux qui ont déjà choisi, on découvre vos messages. Tout d'abord, celle de gauche, la une. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Voilà. Pour ceux qui ont choisi cette carte, eh bien en ce moment, vous êtes fiers de votre réussite, de ce que vous avez pu faire, l'avancée que vous avez dû certainement avoir dans la situation qui se présente aujourd'hui. Il y a quelque chose aujourd'hui voilà, qui, qui pour vous est important et qui vraiment vous, vous remplit d'une immense joie. Et euh, eh bien faites exploser, exploser cette joie et faites-en profiter tout votre entourage. Pour la seconde, et eh bien là c'est un peu moins bien, on est dans les angoisses. Le souffle coupé comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Même lorsqu'on a l'impression, voilà, d'étouffer, d'avoir de, de, le souffle coupé, d'être dans tellement d'émotions qu'on a l'impression que, 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 bah, que notre cœur va s'arrêter, c'est un peu ce qu'on vous dit. Bah, forcément, vous dit de vous connecter à lui et de vous rendre compte que lui, il ne s'arrête pas, il est toujours là. Hein? Donc, peut-être laisser. Euh, voilà, s'il y a des angoisses, s'il y, y a des peurs, s'il y a des émotions qui, qui, sur, qui, qui, qui surgissent, on va dire ça comme ça, oui, qui surgissent, surtout ne pas s'y attacher, ne pas les rejeter non plus, hein, parce qu'elles sont là, pas pour rien. Mais simplement, voilà, les accueillir et, euh, et surtout ne pas rester bloqué dessus. D'accord Et les laisser s'en aller. Voilà. Et avec la troisième carte, là, nous sommes sur le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine, laisse la chaleur réchauffer ton cœur et animer et réanimer ton énergie vitale. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire des rituels avec la lune, à se mettre euh, au soir de pleine lune ou, ou, ou aux autres lunaisons, on va dire, mais ce sont souvent des rituels qu'on a l'habitude de faire et on ne pense pas forcément au soleil. Alors, le soleil, on va s'y mettre forcément euh, pour, euh, pour bronzer, peut-être. Ça va être la seule chose auquel on va forcément penser. Mais vraiment se ressourcer euh, du soleil, se faire rentrer son énergie à l'intérieur de nous pour euh, réactiver euh, votre énergie vitale, euh, votre prana justement. Eh bien, euh, faites-le. D'ailleurs, euh, en parlant de prana, euh, qui est cette énergie vitale, euh, vous avez dans le yoga une posture qu'on appelle. Euh, oh, c'est une posture qu'on fait. Euh, c'est le salut au soleil, ou quelque chose comme ça. Tiens, j'ai oublié le terme exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait le matin au moment où le soleil se lève. Donc, pour vous dire que le soleil et son énergie nous apportent beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et cette vitamine D dont nous avons besoin également. Hein, voilà, donc, mettez-vous au soleil, mettez-vous face à lui, ne le fixez pas avec les yeux, bien entendu, ça vous le savez, mais allez-y, faites rentrer son énergie vraiment à l'intérieur de vous. Voilà ce que vous dit cette troisième carte. Eh bien, j'espère que euh, ce tirage vous a plu, enfin en tout cas cette présentation surtout, hein, parce que le tirage était euh, un petit euh, bonus. Donc, je rappelle l'oracle des messages de ton cœur, qui est un oracle de Charlotte Dane et euh, illustré par Célia Melville. Voilà, euh, j'ai plein d'autres pépites à vous montrer. Euh, j'ai pris un peu de retard, c'est vrai. Du coup. Euh, mais euh, on va vite le rattraper, ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer d'autres présentations. Il y a plein de nouveautés qui sont sorties ces derniers temps et il y en a encore d'autres à venir jusqu'à fin juillet, août également. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite mes belles lumières. Je pense à vous, vous me manquez. Voilà, sachez-le. Mais je pense à vous. Et je lis tous vos petits messages, commentaires. Euh, voilà. Merci en tout cas d'être là pour moi aussi, comme je le suis pour vous. Je vous embrasse.